Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et tellement reconnaissant pour le travail que Dieu accomplit dans vos vies personnelles. Tellement de témoignages nous viennent du monde entier, de personnes qui sont édifiées par nos émissions. On est vraiment reconnaissant pour ça. Et pendant cette semaine, le Seigneur va venir travailler profondément dans votre cœur. Plusieurs personnes, vous passez par une saison particulière qui s'appelle le façonnage. Et ce façonnage, ce travail du divin potier en nous, c'est pour les jeunes, mais c'est également pour les moins jeunes. Et avec notre invité, le pasteur Douglas Kiongeka, qu'on est heureux de recevoir. Mmh. Bienvenue à MCI TV, dans Prière Inspirée. Oui, merci beaucoup, pasteur Jérémy, bienvenue. Avec toi, on va parler justement de ce divin potier. Mmh. Et du travail du divin potier dans nos vies personnelles. Oui. Ce travail en nous, ça peut durer longtemps. Ces saisons où le Seigneur vient travailler dans nos cœurs. Et aujourd'hui, on va parler avec vous du rêve de Dieu pour nous. Ensuite, demain, on parlera de l'argile, qui est le choix de Dieu. Et mercredi, on parlera de ce processus pour devenir un chef-d'œuvre. Puis le lendemain, le tour de transformation dans nos vies. Le tour de transformation, c'est là où le Seigneur va travailler en nous pour nous transformer. Et également, la dernière journée, je vous encourage à regarder jusqu'à la fin, le feu de Dieu pour devenir un véritable instrument. Ah, le feu de Dieu, c'est le feu qui vient nous purifier. Des fois, ça fait mal, mais ça fait du bien à la fin. Tout à fait. Et donc, pasteur Douglas, tu es pasteur à Paris, c'est ça? Dans la région parisienne. Oui, pasteur à Paris, pasteur des églises Sept Résurrections. Nous sommes implantés à Paris, à Ottawa, en Côte d'Ivoire, à l'île Maurice. D'accord. Voilà. D'accord. Tu exerces le ministère seul, en famille? Non. J'ai déjà mon épouse qui m'assiste. Mm-hmm. Et nous avons aussi des frères et sœurs qui sont pasteurs. D'accord. Qui sont à la tête de ces églises-là. D'accord, super. Ouais. Super. Alors, nous sommes basés à Paris. Basés à Paris. Oui. J'ai trouvé très intéressant ce thème qui m'est cher, le divin potier, le travail du divin potier dans nos vies. Et comme je l'ai indiqué dans le titre de cette série, c'est à la fois bon pour les adolescents, les jeunes en fait, et aussi les jeunes adultes et les adultes, mais même les plus âgés. Et en fait, depuis quelques jours, le Seigneur est en train de me rappeler qu'on peut aussi, en étant âgé ou plus âgé, passer par ces temps de façonnage. Il y a, je crois, plusieurs saisons dans nos vies. Et c'est important de pouvoir comprendre que même si on a 30, 40, 50 ou 60 ans, le travail de façonnage n'est pas toujours terminé. Non. Il faut être ouvert aux saisons dans lesquelles Dieu veut nous faire entrer, parce que je crois que quand il veut nous amener quelque part, il va toujours façonner certaines choses dans nos cœurs pour nous amener à ces choses. Et hier soir, j'étais dans un temps de prière et j'écoutais un vieux chant que j'écoutais quand j'avais 18, 19 ans. C'était un temps très particulier pour ceux qui connaissent un peu mon témoignage. Un temps où Dieu, justement, était en train de façonner, mais tellement fort, ma vie, de la sanctifier, de la purifier. On était là avec toute l'équipe, les amis de l'époque. Donc, il y avait mon frère, ma sœur, il y avait Gwen, Annabelle, Mickaël, Patrick, etc. On était tous là, un groupe de jeunes. Et à cette époque-là, vous voyez, j'ai retrouvé, du coup, hier soir, j'ai été retrouver deux cahiers. Wow. C'est des livres de notes que j'avais, en fait. Mmh. Et quand j'avais 18, 19 ans et 20 ans, vous voyez, celui-ci, là, du 1er janvier au 31 décembre 2003. Okay. Et j'ai commencé à relire ça. C'était tellement, tellement intéressant. De relire ces choses, ce que je pensais, ce que je vivais, les prophéties que je pouvais recevoir ou donner, les songes que je pouvais avoir. Et celui-ci du 5 juillet au 31 décembre 2002, je ne sais pas si c'est toi sur la photo, mais en tout cas, tu avais l'air d'être là. Et je veux vous encourager, vous les jeunes, mais aussi peut-être les moins jeunes, à tenir un journal. Alors aujourd'hui, je ne le fais plus, mais par contre, je note toujours les songes que je reçois, que ce soit les songes ou les prophéties. Il faut marcher selon ses prophéties, selon ses songes. Mais pour la jeunesse, je sens que cette semaine va être particulièrement bénie. Et je veux vous encourager, vous allez recevoir des paroles particulières. Et je me souviens au début de l'un de ces deux cahiers, j'écrivais que c'est suite à cette parole dans l'Ancien Testament qui dit « Écris la vision, grave-la sur des tablettes » que j'ai commencé à tenir ce cahier, ce journal. Et je suis sûr que pour vous, ça vous fera du bien de relire ces choses. Parce que des fois, on fait des erreurs, on apprend, on grandit. Et ça sera certainement une source de bénédiction pour plusieurs qui allaient commencer à faire ça. Donc avec toi aujourd'hui, pasteur, on veut commencer donc à parler de ce rêve de Dieu pour nous, de ce travail du divin potier. Oui. Alors Dieu, déjà dans la Bible, il est présenté comme le divin potier. Nous avons un exemple palpable dans la vie de Jérémie. Déjà quand Jérémie a reçu son appel, il était jeune. Dans Jérémie 1,
au chapitre 1, le verset 5 à 6. Alors qu'il se posait des questions, Dieu lui dit, avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, avant même que tu ne sois formé dans son ventre, je te connaissais. Je t'avais déjà établi, consacré, mis à part et établi prophète des nations. Alors il se disait, mais je suis jeune. Dieu lui dit, ne dis pas que je suis jeune, parce que tu iras et tu feras le travail que je te demanderai. Mm. Et c'est justement Jérémie qui met plus en avant, en exergue Dieu, en le présentant comme étant les divins potiers. Et je vous invite à prendre justement un texte dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 18, le verset 1er au verset 6. Jérémie 18, verset 1er au verset 6. Il est dit ceci, « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas, et comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel il trouva bon de le faire. » Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» dit l'Éternel. « Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Donc là, Dieu voulait parler à Jérémie concernant Israël, son peuple, et concernant tout le peuple entier d'ailleurs, de quelque chose qui s'était passé. Et il lui dit « Je veux te parler, mais je te parlerai à un endroit précis. » Parce que des fois, Dieu choisit des endroits pour parler à son peuple. Mmh. Et il dit, tu dois descendre à la maison du potier. On sait qu'un potier, c'est celui qui fabrique des poteries. C'est une personne qui conçoit des poteries et qui les met en œuvre. Et il dit, tu dois descendre là-bas parce que j'ai quelque chose à te dire. Et Jérémie descend et qu'est-ce qu'il trouve? Il arrive dans la maison du potier et il trouve un potier en train de travailler sur un tout. Mmh. Il a conçu un premier vase, mais malheureusement, le vase avait échoué. Et il reprend la même matière pour refaire un deuxième vase qui va réussir. Et Dieu lui dit, de la même façon, les choses que tu as observées, c'est ce que je veux faire aussi avec vous, mon peuple d'Israël. Et en fait, dans ce texte, nous voyons deux images, parce que ici, nous voyons comme des symbolismes que Dieu a utilisé pour justement parler à son serviteur, le prophète Jérémie. Et il voit le potier, d'abord la maison du potier, la maison du potier qui peut représenter d'abord le monde dans son ensemble, parce que Dieu est le concepteur de toutes choses, tout lui appartient, il est le propriétaire, le responsable. Et deuxièmement, la maison du potier peut représenter la maison de Dieu, l'église, cet environnement où Dieu, de manière particulière, travaille, concentre son énergie pour travailler. Et qu'est-ce que Jérémie voit? Il voit le potier, et c'est le potier qui tient en fait l'argile entre ses mains, d'où entre les mains du divin potier. Et l'argile est placée sur le tour. Il est en train de manipuler l'argile. Et le premier vase, qui était d'ailleurs Israël de l'époque, malheureusement, ce vase n'a pas réussi parce que ce vase n'était pas selon la vision initiale. Dieu a toujours un plan. Mm-hmm. Il le dira dans Jérémie 29, 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, toute personne qui vient dans le monde, toute personne qui donne sa vie à Jésus, qui vient à Jésus, il rentre dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour chacun. Mais malheureusement, il arrive que certaines choses arrivent, certaines circonstances, certaines erreurs, ou même certains péchés, certaines, fautes que certaines personnes vont commettre, qui vont faire que le premier vase sera terni, sera brisé, parce que le salaire du péché, ça a toujours été la mort, la destruction, la corruption, on manque de but, on manque de cible. Mais cela n'a pas empêché le divin potier, qui est Dieu lui-même, de refaire avec la même matière un autre vase. Là, nous voyons en fait cet amour profond de Dieu qui ne s'arrête pas sur les erreurs que les gens commettent, qui ne s'arrêtent pas sur les problèmes, voire même les échecs, parce qu'il y en a qui ont essayé, ils ont échoué, il y en a qui ont voulu jeter l'éponge, il y en a qui ont voulu marcher avec Dieu, mais ils ont eu des accidents dans la vie chrétienne, des choses se sont passées, et il y en a qui se sont affaiblis. Or, Dieu n'abandonne jamais. Même dans Ésaïe, il dira, il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas la mèche que fume encore. C'est juste pour dire qu'il y a encore espoir. Un jeune qui m'entend,
un homme qui m'entend, une femme qui m'entend, j'aimerais lui dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu, au contraire, malgré tes fautes, tes erreurs, il veut redonner une nouvelle forme à la forme initiale qu'il t'a donnée. Parce que tu viens de Dieu, personne n'est venu sur terre parce qu'il a voulu. Nous nous sommes retrouvés sur la terre. Donc, Dieu a un plan pour chacun. On parle du rêve de Dieu. Même si tu n'es pas encore chrétien, même si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache que tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas sur cette terre par accident. Tu n'as pas choisi la couleur de ta peau. Tu n'as pas choisi ton pays. Tu n'as pas choisi ta famille. Tu t'es retrouvé. Et même de là où tu te trouves, peu importe la situation que tu rencontres, peut-être que tu as perdu tes parents. Peut-être que tu as perdu un membre cher, un être cher dans ta famille. Et des situations difficiles, désastreuses qui se sont passées te poussent à ne plus croire ou à ne plus espérer. Mais le divin potier nous donne ici une bonne leçon. C'est juste pour dire que de ce vase qui a échoué, je peux ressortir et façonner quelque chose de grand et de puissant et de glorieux. Donc en gros, le divin potier a un rêve. Quand on parle de rêve, on parle de vision. Il a des objectifs, il a des projets. C'est pourquoi il dit « je connais les projets que je formais sur vous ». Donc personne ne peut se dire « moi, je suis venu accompagner les autres sur la terre ». Non, Dieu a des projets pour toi. Il suffit maintenant que tu les découvres, que tu découvres quel est le plan de Dieu pour ma vie. Tu ne seras jamais heureux en cherchant à copier l'autre. Or, beaucoup de personnes aujourd'hui, par manque d'identité, parce qu'ils ne connaissent pas qui est leur créateur, Dieu est le créateur de tout le monde, et surtout, je dirais, le père de ceux qui ont donné leur vie à Jésus, c'est-à-dire devient leur père, parce qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc on peut quitter le stade de créature de Dieu en enfant de Dieu, rien qu'en acceptant Jésus-Christ comme sauveur personnel et comme Seigneur. Et là, ton statut change. Et là, tu découvriras le plan de Dieu. Il dit, le Fils est venu afin que ses brebis aient la vie, et la vie en abondance. Et à partir de ce moment-là, que tu comprends le rêve que Dieu a pour ta vie, les choses maintenant vont commencer à changer. Amen. Dieu entre maintenant en action parce que ses mains sont des mains qui, en tant que le divin potier, il accepte de se salir les mains pour pouvoir te façonner. Vous verrez dans la Bible, dans Genèse au commencement, Dieu a créé beaucoup de choses par sa parole. Mais quand on arrive à l'homme, la Bible dit Dieu dit faisons l'homme à notre image. Dans Genèse 2, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. En gros, c'est comme s'il s'est sali les mains. Vous voyez un peu. Donc le divin potier descend, se rabaisse à notre niveau. Il s'est sali les mains pour nous prendre et nous tirer de là où nous sommes pour nous amener quelque part de meilleur. Il nous amène là où il a prévu pour chacun d'entre nous. Donc, il a des projets de paix. Il a des projets de prospérité. Parce que la paix dans la Bible, c'est la prospérité. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu sois perdu, que tu sois désemparé. Au contraire, il veut que tu sois à son image parce que l'image de Dieu dont parle Genèse 1 n'est rien d'autre que Christ. Il avait dit le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc être créé à l'image de Dieu, c'est être créé à l'image de Christ. Or Christ, c'est la gloire, c'est le poids, c'est l'excellence. Dieu veut que chacun d'entre nous vive son plan et le plan merveilleux. Amen. Il a un projet et ce projet-là va se réaliser. Et tout à l'heure, au début, vous avez dit quelque chose de magnifique. Il dit à Habacuc, écris la prophétie, écris mon projet, écris mon plan, grave-le sur les tables. Que chaque jeune qui m'entend, que chaque homme qui m'entend, qu'il prenne un cahier, qu'il note les prophéties que Dieu lui donne. Même si tu sembles ne pas vivre ou voir, expérimenter les choses qu'il t'a dites, ces choses vont s'accomplir. Tôt ou tard. D'où ce thème justement sur le divin potier, entre les mains du divin potier. Il a un rêve et ce rêve finira par se réaliser. Amen. Ça prendra du temps, certainement. Ça prendra beaucoup de tournures, certainement. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'il commence, il finit toujours. Il achève toujours ce qu'il a commencé. Et tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Et même très bon. C'est-à-dire son rêve, c'est le bon rêve. Ce n'est pas le rêve personnel peut-être que tu as eu depuis ton enfance. Le rêve qui a été influencé par la société, la famille. Mais lorsque tu découvres le rêve de Dieu,
c'est alors que ta vie change parce que tu rentres dans le couloir de ta destinée. Et tout ce que tu feras ne peut que te réussir. Tout ce que tu entreprendras ne peut qu'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que tu commences à rêver le rêve de Dieu. Le jour où j'ai compris, j'étais un garçon très ambitieux, très jeune. J'ai reçu l'appel de Dieu à l'âge de 17 ans. J'étais très ambitieux. Je voulais accomplir tellement de grandes choses de folie. Mais le jour où j'ai découvert le rêve de Dieu pour ma vie, ça a été un choc, un chamboulement. Pourquoi? Parce que je voyais tous mes rêves s'effondrer. Mais j'ai toujours une profonde conviction que Dieu n'échoue jamais. Amen. Et Dieu ne se trompe jamais. Alors, une voie peut paraître droite aux yeux des hommes, mais son issue, c'est l'échec, c'est la mort. Mais en suivant le rêve de Dieu et en acceptant de marcher selon sa volonté, selon sa pensée, selon ses principes, selon le cheminement de choses que lui-même aurait tracé, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. On ne peut être heureux qu'en Dieu et en vivant le rêve de Dieu. Et j'ai accepté, et voilà où nous sommes. Je suis très heureux, je suis très content. Et j'encourage d'ailleurs mes frères et sœurs à découvrir le rêve de Dieu pour leur vie et à y entrer. Et en tant que divin potier, ses mains sont là pour travailler. S'il y a eu des échecs, Dieu n'est pas un homme pour te rejeter. Les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent te minimiser, te mépriser, te mettre au placard, comme on dit, mais pas Dieu. Tu rentreras comme dans une forme de garage, dans une forme de laboratoire. Mais là, dans le secret, c'est là que Dieu va travailler. On a vu, le premier vase, Adam, a échoué parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Mais Dieu avait un autre plan, le dernier Adam. Jésus-Christ est venu. Il est venu et il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Quand on parle de résurrection, on voit une renaissance. On voit quelque chose qui était morte, pourrie, détruite. Mais il vient, il redonne vie. C'est pour cela que la puissance de la résurrection est supérieure, j'aime bien le dire, à la puissance de la création. Parce qu'après la création, quand toute chose meurt, c'est fini, c'est la corruption. Mais la puissance de la résurrection vient redonner vie à ce qui était corrompu. Voilà pourquoi elle est supérieure. Voilà pourquoi même Christ a connu la mort, mais bien plus, il est ressuscité d'entre les morts. Donc s'il est ressuscité, sache aussi qu'il peut ressusciter tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui croient au rêve de Dieu peuvent espérer à une résurrection véritable. Parce que Dieu a toujours raison. Dieu ne manque jamais. Et on voit le dernier vase, Christ lui-même, le dernier Adam, est venu. Il a accompli l'œuvre parfaite du Père et il est monté à la droite de Dieu le Père et il est assis à ses côtés. Et il nous donne aujourd'hui cette possibilité de rentrer dans le rêve de Dieu. Et le divin potier, lorsqu'on accepte Christ, on rentre dans son plan et il commence un travail de rétablissement, un travail de guérison, un travail de restauration, un travail de repositionnement. Parce que le premier vase, qui était le premier Adam, quelque part, en d'autres termes, ou encore Israël, à cette époque de Jérémie, a connu l'échec à cause du péché. Mais il y a toujours une seconde chance. Il y a toujours un plan B. La rédemption existe. Le sang de Jésus est là pour nous laver de tout péché. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et une fois qu'on accepte le pardon de Dieu, accompli à la croix, par la foi, on entre dans le plan de Dieu, c'est-à-dire notre vie passée est passée. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, les échecs du passé sont passés. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que nous rentrons dans le rêve de Dieu, dans la vision que le potier a. Et entre ses mains, je peux vous assurer, Dieu ne nous garantit que le succès, la réussite, la perfection, la prospérité et la paix. Tu n'es pas une argile entre les mains d'un homme, ni de la société, ni de l'argent, ni du système de ce monde, mais entre les mains de celui qui tient toutes choses entre ses mains. Amen. Celui qui n'échoue jamais. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, si vous entendez ces paroles et que dans votre cœur, vous vous dites, mais comment devenir une nouvelle créature? Comment entrer dans le plan de Dieu? Peut-être même vous appartenez déjà au Seigneur. Mais je vous encourage à avoir un cœur soumis, à vous offrir totalement à Dieu. Là où vous êtes, vous avez entendu ces paroles, ce rappel de Christ à la croix, ce premier Adam, ce vase qui est venu parfaitement et il était rempli d'amour, rempli de,
d'un sang qui pouvait vous purifier. Et la Bible dit qu'il a été percé, on a percé son flanc, et de l'eau, du sang en a jailli. Et ce sang aujourd'hui est là pour vous purifier, il est là pour vous laver, il est là pour vous pardonner. Si aujourd'hui, vous voulez devenir une nouvelle créature, si aujourd'hui vous voulez entrer dans les plans de Dieu, ce n'est plus vous qui doit vivre, mais c'est Christ qui doit prendre la place dans votre cœur, dans votre vie. Et je suis persuadé que plusieurs d'entre vous, vous écoutez ces paroles et vous avez entendu ces paroles, et dans votre cœur, ça bouillonnait, vous dites, mais comment on peut devenir une nouvelle créature? Comment on peut être sauvé? C'est l'œuvre de la foi. Si maintenant vous mettez votre foi en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, si vous croyez qu'il est mort sur la croix, sur cette croix infâme, et qu'à cause de sa mort, vous êtes pardonné aujourd'hui, vous pouvez recevoir, oui, le pardon de vos péchés, la libération de tout esclavage qui vient du royaume des ténèbres. Et si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais dites-lui simplement avec ces paroles, « Dieu, j'ai entendu ces paroles, je veux devenir une nouvelle créature. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux recevoir Jésus-Christ comme celui qui me sauve et comme celui qui dirige ma vie. Alléluia. Je déclare que ma vie maintenant ne m'appartient plus. Alléluia. Je donne tout, tout, tout ce que je suis à Jésus-Christ. » Si vous faites cette prière de tout votre cœur, sincèrement, Dieu va venir habiter dans votre cœur et vous transformer complètement. Et il y a aussi une femme, vous écoutez cette émission et vous avez été comme, il l'a dit à un moment, sous la main de l'homme. Et parce que vous avez eu le désir d'être aimé, d'être accepté, de pouvoir vivre dans cette vie, vous êtes laissé comme un objet donné entre les mains des hommes. Et le Seigneur aujourd'hui veut guérir votre cœur par rapport à ces mains des hommes qui sont venues sur vous. Et le Seigneur aimerait que vous puissiez simplement vous humilier et recevoir le travail qu'il veut faire dans votre cœur maintenant. Si vous êtes cette personne, cette femme ou peut-être même cet homme, vous pouvez dire au Seigneur, c'est vrai, beaucoup de mains m'ont touché. Beaucoup de mains ont touché ma vie. Je me suis laissé façonner par beaucoup de personnes. Et Seigneur, aujourd'hui, je ne veux plus jamais être façonné par un homme. Je veux que ce soit toi qui bâtisse la maison. Je veux que ce soit toi qui me façonne. Il y a même une femme, vous avez recours à beaucoup de chirurgies, esthétiques, plastiques, etc. Et tout ça pour vous faire accepter des gens parce que vous vous sentez tellement mal à l'intérieur. Mais Dieu vous aime d'un amour tellement profond. Et aujourd'hui, il veut vous façonner. Père, on te remercie, on te glorifie. Alléluia, pour cette parole. Te bénissons, Seigneur. Je te remercie parce que cette parole est vivante. Tu es le divin potier. Merci pour ton travail. Tu amènes, Seigneur. Un travail que tu fais en nous pour nous changer, pour nous former, pour nous rendre inébranlables. Seigneur, je prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes amis qui écoutent aujourd'hui. Merci pour les adolescents. Seigneur, elle a rencontré. Je prie qu'ils ne soient pas formés par le monde, mais qu'ils soient formés par toi. Je prie que tu les formes, merveilleux Jésus-Christ. Tu formes ces adolescents et que tu les formes tellement qu'ils sont forts face aux tentations du monde. Je prie pour les jeunes gens, merveilleux Jésus-Christ, alors qu'on a déclaré que tu as un plan, un projet de paix pour eux. Seigneur, que tu leur parles, que ce soit par des songes, par des visions, par des prophéties, par leur témoignage intérieur. Nous prions, Seigneur, que tu viennes agir dans leur cœur. Merci parce que tu leur parles. Tu parles à ce jeune homme, tu parles à cette jeune fille. Merci parce qu'elles puissent se diriger d'après ta parole. Oui, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Là, je prie qu'il soit fort dans ta parole. Merci Père pour les adultes. Merci pour les saisons particulières de transformation, de façonnage. Merci pour ton grand rêve. Merci parce que tu le. On te glorifie Jésus-Christ. Tu es merveilleux Seigneur. Nous t'aimons. Sois glorifié. Sois exalté. Alléluia. Merci Père. Merci mon Dieu. Rimbo sakaya rabashika. Rebababa Là où tu es, dis-lui, Seigneur, forme-moi, Seigneur, je ne suis pas encore arrivé à la perfection. Viens me former, Jésus-Christ.
Alléluia. Forme ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Forme ma vie, forme-moi, Seigneur. Que cette semaine soit un temps de façonnage, de purification, d'édification, de construction. Oh oui, Seigneur, tu amènes un homme à comprendre, à saisir. Façonne-moi, façonne-moi, Seigneur. À comprendre, à saisir. Façonne-moi, j'ai besoin que ta main vienne me façonner. Que le rêve de Dieu soit, oh Dieu, me former dans la vie d'un homme et d'une femme qui suit. Je te donne le droit sur toute ma vie, sur tout mon cœur. Dieu, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Oh, bâtis ma vie. Je ne veux pas bâtir en vain. Bâtis ma vie. Au nom de Jésus. C'est comme cette femme samaritaine. Elle a connu 5 hommes. Elle est passée entre les mains des 5 hommes qui furent comme des potiers. Sa vie a été comme brisée, remplie de déception. Elle ne croyait plus en elle-même. Elle n'espérait plus. Elle a eu un 6e homme qui ne l'a même pas épousée, tellement qu'elle était désespérée. Peut-être cela peut être le cas de quelqu'un en ce moment qui est désespéré, qui est désemparé, qui se jette dans les bras d'un homme juste en quête d'amour ou en quête d'une estime ou en quête de quelque chose de particulier. Mais le Seigneur Jésus vient comme le 7e homme, vient comme la perfection absolue. Et il vient et dit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Le divin potier a en lui l'eau de la vie, cette eau qui étanche la soif, cette eau qui désaltère, cette eau qui apporte la véritable paix, la véritable joie. Cette femme, sa vie a été changée, bouleversée. Et ma prière est que Dieu bouleverse un homme et une femme aujourd'hui. Aujourd'hui, qui a un contact sincère avec le divin potier. Oui, pas un homme, pas nous qui sommes là sur le plateau, mais lui-même, le divin potier. Allez. Qu'il se révèle à un homme, qu'il se révèle à une femme. Qu'il touche un homme et une femme au plus profond de son âme, au plus profond de son cœur. Et qu'il les ramène sur sa voie. Il dit, nos destinées sont entre tes mains. Nous te bénissons, Père. Alléluia. Accueillez le ministère du Saint-Esprit dans votre cœur. Alléluia. Et que le divin potier vous forme au nom de Jésus. On va se retrouver dès demain dans Prière inspirée. Laissez-vous façonner par le Seigneur et passez un temps de consécration particulier aujourd'hui, demain matin, pour lui dire, Seigneur, façonne-moi, parle-moi encore. Je suis ton ouvrage. Amen. Merci.